C'est parti pour la saison 2020. Alors on est fin février, on va faire une visite. Alors c'est pas la visite de printemps, on va juste essayer d'estimer les réserves. Et vu que tout est en fleurs quand même, et j'entends un faux bourdon, on va essayer aussi de voir si c'est nécessaire de commencer à mettre des quatre cirés pour leur faire de la place ou pas. Pour que la reine puisse pondre. Allez, c'est parti. On va ouvrir, on va regarder. Alors ça c'est une ruche divisible qui n'a pas été nourrie de tout l'hiver. On va regarder ce que ça dit. S'il faut nourrir, s'il faut mettre des quatre cirés, s'il faut faire quelque chose ou pas. Alors je vais regarder déjà le cadre de rive. Ok, donc ça c'est un cadre qui est vide. Ça sent bon. Ah non, il y a du nectar. Donc ça commence à rentrer du nectar. Ok. Le tonnerre, j'ai pas envie qu'elle rentre là-dedans. On va essayer de changer ce cadre. On va essayer de décaler ça pour voir. Ouais, ça c'est blindé de miel. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Du nectar, ok. L'autre aussi il y a du nectar. Donc on va y mettre. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas la nourrir. Déjà ça c'est une certitude. Et ici je vais y mettre un cadre à bâtir. On va y mettre qu'un cadre parce qu'on est déjà assez tôt. Enfin on est assez tôt. Donc j'ai pas envie. On va lever encore un cadre de plus pour voir. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti toutes ces odeurs. On va regarder ce qu'il y a. Alors tout ça c'est pondu. Et tout ça c'est pondu. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Ah, en plus je suis dans l'ombre. Il faut mettre des cadres à bâtir. Tac. Donc je leur mets que un cadre, il n'y a même pas d'amorce, voilà, étant donné que c'est entre deux cadres déjà bâtis, ben, il sera forcément bâti correctement et puis ça va les occuper un petit moment. Voilà, hop, parfait, on reviendra voir la semaine prochaine. Je ne vais pas toucher au reste parce qu'il est tôt encore, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. J'ai mis mon nourrissage.